Il est là-dedans. On a dû l'isoler. Il se battait avec les autres détenus. Salut, Denis. Ton père, c'était un grand bonhomme. Je le connais pas. J'ai rien à voir avec lui. Je crois que toi aussi, tu pourrais devenir un grand. Et pourquoi t'as voulu être boxeur? Mon père était boxeur. Il est mort avant ma naissance. Et j'ai été trimballé de foyer d'accueil en prison pour mineurs. Je me suis battu toute ma vie. J'ai jamais eu le choix. Tu vois ce gars-là, le gars que t'as en face, là? C'est ton pire adversaire. À qui tour? Ça, je pense que c'est vrai sur le ring et que c'est aussi vrai dans la vie. Tu vas me quitter, toi aussi? Tu sais combien de fois il a fallu que je l'aide, le champion du monde, que je le porte là-haut parce qu'il était hors d'état de marcher. Côte cassée, nez cassé, œil poché, défiguré. De quoi t'as peur? J'ai peur de prendre la relève et de perdre, de me faire traiter d'imposteur. T'es encore coincé dans son ombre. Chaque fois que je vais bouger, chaque fois que je vais cogner, je serai tout le temps comparé à lui. Tu es le fils d'Apollo Creed. Reprends son nom, c'est le tien. Personne le connaît, il a jamais fait un seul combat. Tu sais rien, tu me connais pas. T'es un faux Creed. Si tu y vas, tu vas affronter un ouragan. Coach, venez m'aider! Rocky est malade. Si ça pète, je répare pas. Tout ce que j'avais est parti. Et moi, je suis là. Vous êtes là en train de chialer, vous avez personne. Et moi, tous les jours, je suis là. Je suis planté là, juste devant vous. C'est un combat comme un autre. Si je me bats, vous aussi. Souviens-toi de tout ce qui t'a fait mal. De toute la douleur que t'as eue en toi. Et tu comprendras ce que nous on a vécu. Ta place, c'est ici. Tu dois être capable de choper un de ces piafs. Sérieux? Un peu que je suis sérieux. Les poules, c'est plus que c'était.